Mes recherches portent sur l'étude de l'évolution de la cellule. Et pourquoi on s'intéresse à l'évolution de la cellule? C'est parce qu'on veut comprendre les principes organisateurs et les principes de fonctionnement de la cellule. Éventuellement, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de mieux comprendre pourquoi certaines cellules deviennent des cellules malades, pourquoi elles cessent de bien fonctionner. Et en même temps, ça va nous permettre de comprendre comment on pourrait modifier certaines cellules pour des applications, par exemple, en biotechnologie et en santé. Et puis finalement, les travaux qu'on fait vont nous aider à comprendre l'origine de la biodiversité et donc de comprendre les organismes complexes comme les humains. Il y a trois choses qui me motivent en tant que scientifique. La première chose, c'est ma curiosité. La deuxième chose, c'est qu'en étant en recherche, on est toujours en contact avec des jeunes, des étudiants, chercheurs par exemple, qui eux sont très motivés et donc ça nous garde jeunes et ça nous garde motivés à travailler. Et finalement, la chose la plus importante, je dirais, c'est d'avoir l'impression qu'on fait de la recherche, de contribuer à notre compréhension du monde qui nous entoure. Et puis ça, évidemment, ça contribue à faire évoluer la société en général.